Salut à tous, c'est Ground Zero. On est de nouveau sur 2X Mankind Divided. Alors, on en était où? Je m'en rappelle plus. Ça a pas l'air de fonctionner là. Ah, c'est bon. Ah, ça bug. Je crois que je vais relancer le jeu, ça bug. Ça met tout en vert, c'est pas normal. Putain, ça met un écran vert. Je suis juste obligé de relancer le live. Il met tout en vert là. Ah putain, c'est chiant. Ça marche quand ça veut. Pourquoi je suis là moi? Pourquoi je suis là? Ah oui, j'étais en train de pirater, c'est vrai. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès refusé. Quoi? Oh bah laisse tomber, c'est mort. Je vais pas me prendre la tête avec ça. On se barre d'ici, j'ai pas que ça à faire. Moi. Des bugs. Dites-moi si vous avez le même bug, genre un écran vert à la place de ma caméra, je sais pas si vous voyez. C'est pas vrai. What? Pourquoi y'a un truc à exploser? C'est quoi ce délire? Pourquoi pas? Adam! Vous êtes allé à l'appartement de la rue Lavenie? Pas encore. C'est l'occasion ou jamais. D'après les archives de la police des frontières, Orlov ne reste jamais à Prague très longtemps. Eh mais... je la pirate. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Ah merde, j'y étais presque. Ah merde. Ah, j'y étais presque. Ty si myslíš, že máš problémy, Augu? Nemáš ani tušení. Moi pas comprendre ce que tu dis. Nebudu na ulici. Moi pas comprendre. Moi pas parler russe. Moi pas comprendre. Moi que savoir dire vodka. Alors, application, tac, ouais, là,
Dépêche-toi, attaque. Rate là. Allez, dépêche-toi, pas le temps. Allez, 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 allez. Putain. Accès refusé. Ah, pourquoi ça marchait pas? On va réessayer. J'ai chaud là, j'ai pas le ventilo sur la tête là, voilà. Putain, ça met du temps à revenir là. Putain, j'ai pas eu le temps, je comprends pas là. Putain, je perds des vues parce que je fais de la merde. Merde. J'arrive pas à le pirater, je sais pas pourquoi. Putain, ça déconne là, ça me met un écran vert. Putain, j'étais presque. Directeur James Miller. C'est bizarre ça.
grenade derrière. Secret. Comment l'ouvrir, ça je sais pas, il doit avoir un truc à pousser ou je sais pas quoi. Ça a l'air chaud cette mission là. Il doit avoir un bouton activé pour ouvrir la porte ou je sais pas quoi. Ah voilà. Je crois que j'ai quelque chose, Alex. La carte d'accès au SRN de Miller. Oh, un sniper! Oh! Et quand il s'est connecté à son coup. Ça me fait chier, je suis obligé de jeter celui-là. Son autre ordinateur. Tu trouves rien de compromettant dessus? Silencieux. J'ai pas encore regardé. Mais je commence à me dire qu'on en sort. Ouais, c'est pas silencieux. Il n'y aura pas de tranquillisant dessus. Pas plus si on n'écoute pas cette conversation du SRN en entier. Merde, c'est risqué. Mais je crois qu'il va falloir. Pourquoi? T'as quelque chose sur VersaLive? Ouais, et c'est moche. Retrouve-moi dans la petite cour près de la TF-29. Je t'expliquerai. Niveau 5, merde. Mission de perforation. Alors. Mission de revolver, je les garde. Mine creuse, j'en ai pas besoin. Ah, mais il faut de la place pour la boîte. Mission de typhon, j'en ai un peu rien à foutre. Je garde ce sniper ou je prends l'autre? Je sais pas quoi faire. Mission électrique, j'en ai plus, putain. Ah si, là. Ah, c'est pistolet mitrailleur. Pistolet mitrailleur, j'en ai pas, alors ça je le balance. Je le balance, voilà. Simulation électrique, j'en ai pas. Voilà. Ça, je le bois. Donc, il faut de la place. J'ai pas fini de pirater, moi. Ouais, c'est niveau 5, c'est casse-couille. Putain, il doit avoir un code dans l'ordi. Le pirate bien. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès refusé. Quoi? Pour le fusil de précision, c'est chiant. Je sais pas le reposer ou pas, je sais rien. Parce que
tous les tranquillisants, j'en ai plus, je prends le sniper comme ça, c'est pareil. Je peux combiner toutes les balles après. Enfin, je sais pas s'il est plus puissant ou pas. Précision 75, ok. Merde, je peux le mettre en tranquillisant après. Alors, après, ok. Et si je regarde. Précision, est-ce qu'elle est meilleure? Ouais, il m'a l'air... attends. C'est sûr qu'on peut pas comparer. Alors, la précision, elle a combien sur celui-là? 75, ouais, bah il a meilleure précision celui-là. Le temps de le pirater, bon, je réessaye. On va réessayer encore. Ça, la caméra bug. On va réessayer. Je peux l'avoir ce coffre. Ah, voilà, faut le code. Il doit être dans l'ordi, mais je galère à le pirater. Oh putain, j'ai pas le temps. Ça va trop vite. Ah, vu que j'ai la carte, je peux aller dans le bureau à 1000 heures maintenant. Ah putain, je vais péter un câble avec ce piratage de merde, je crois que je vais laisser tomber. Mais je crois que tu vois la même chose qu'il y avait sur l'ordi là-bas que ici, je crois que c'est pareil. Ah putain, faut être niveau 5. Ah, fait chier. On va réessayer encore. T'es en train de péter un câble sur un piratage. À pirater ce truc, c'est abusé. Accès refusé. Ta mère, allez, eh, c'est bon, laisse tomber, on s'en fout. C'est bon. Ça m'a saoulé là. C'est bon. Ah, ça m'a gavé en deux secondes. Ouais, mais je suis un gros con, je saute comme un débile mental. Oh là 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 là. D'avoir fait vite.
Je voulais pas qu'on me voit traîner toute seule trop longtemps, si jamais t'avais été retenue. Je sais me tenir, des fois. A dit que t'avais un truc sur VersaLife. Oui. Il y a 2 mois de ça, un des membres du personnel a été retrouvé mort dans leur centre de Rocas et Cabbage, service des projets spéciaux. Elle a été empoisonnée, comme Rucker. Elle, t'as son nom ? Annick Norstad. Pourquoi ? Tu connais quelqu'un là-bas ? On s'en fout. Laisse tomber. Merde. VersaLife. Je peux pas libérer. Quand je volais pour Bell Tower au Panama, ils trempaient dans les pires coups tordus. C'est à cause d'eux si j'ai une cible dans le dos. Ils ont dit à mes chefs de me tuer. S'ils sont mouillés là-dedans, on les aura. Faut juste qu'on comprenne ce qui se passe. Dis-moi un peu plus sur cette chercheuse. Pourquoi je t'ai ouvert l'écran, là? Les infos qu'on a trouvées sur Norstad étaient bien planquées. Putain... Pas de rapport de police, pas d'autopsie. Juste une note sur une déclaration de sinistre qui parlait d'un accident industriel. Elle travaillait sur des pathogènes dangereux, non? On suppose que oui. Pour Janus, ça cache quelque chose. C'est lui qui a trouvé le rapport. Il l'a trouvé... louche. C'est-à-dire? Pas mal de blanc et très peu de détails. Je vais redémarrer le live après. Et t'as pas voulu lui demander? T'insinues que j'ai merdé? Que dit Janus, je me trompe. Janus m'a totalement transformé. VersaLife m'avait brisé et il m'a redonné une raison de vivre. Il m'a aidé à voir des choses que je refusais de voir. Comme quoi ? Que certaines théories du complot ne sont pas loin de la vérité. Après le Panama, j'ai refusé de gober les conneries qu'inventait Picus News sur l'incident. En poursuivant les hommes de l'ombre. En travaillant avec toi. J'ai repensé à ce que t'as dit. La CDA qu'on accuse d'une effraction qui les fait passer pour des terroristes, une employée de VersaLife qui meurt empoisonnée comme Rucker. On parle d'une arme biologique, tu crois? La carte d'accès de Miller pourrait nous aider. Comment? Je te suis... Les échanges qui ont lieu sur la SRN sont stockés dans la mémoire système. Si j'arrive à me connecter avec la carte de Miller, je pourrais peut-être écouter sa conversation avec ses chefs. C'est pas aussi simple que... C'est un risque que je suis prêt à prendre. Comme tu veux. Sois très prudent, Adam. Quelqu'un arrête cette contre. Je vais acheter des trucs avant de faire la mission. Magasin. Non, ça c'est le truc de télé. Ça m'a toujours fasciné. Et t'en as appris? Non. C'est pas là que je voulais aller. Ah bah ça carrément. Putain, j'ai une crampe dans le bras. C'est de la bouffe qu'avant. Ah, j'ai la carte à machin, faut que j'aille voir un truc. Il faudrait qu'on apprenne à vivre comme ça.
dans le magasin, là, voir un truc vite fait. Là, je peux pas. Ah, fait chier. Ah, de l'absinthe. Quoi ? Accès refusé, mais ils sont sérieux ? Ah, ça me saoule. Ah. J'y suis, Alex. T'as autre chose à me dire avant que j'active ce fauteuil ? Chaque SRN est différent, Adam, alors je sais pas à quoi m'attendre. J'imagine que tu vas atterrir dans une sorte de salle de conférence virtuelle. Normalement, tu seras tout seul. Et si c'est pas le cas ? De Miller. Alors tu coupes court et tu te déconnectes. Ok. Et où est-ce que je trouve ces conversations ? Là, j'en sais rien. C'est ton plan, Adam. Mais les enregistrements holographiques sont gourmands en mémoire virtuelle. Tu devras peut-être chercher à plusieurs endroits. Je vais devoir me fier à mon instinct. Exactement. Mais comme la puce est toujours en place, on saura tous deux qu'on se fera. Bonne chance, Adam.
pas les ouvrir. Il y en a 5 à pirater, bah putain. L'autre là-haut là. Là je crois que je vais galérer. Pour monter. J'ai plein de trucs à pirater là. Ouais, franchement, je sais pas. Non, je crois qu'on va passer par un autre côté, je comprends rien du tout en fait. Oh le con. Que dalle. Salut Shazam. Ouais, tu vas pas me dire qu'il faut sauter ici? Non, arrête. Ah, il faut sauter ici. Pour sortir, ça va être chaud. Moi j'aimerais bien aller là, mais il y a la caméra qui va casser les couilles.
Ma caméra va casser les couilles. Pas du tout faut aller. Voilà. Ouais, mais j'ai chaud. J'ai chaud. Je vous ai forcé la main pour Dubaï, mais maintenant on doit travailler dans les règles. La CDA avant tout. Vous voulez que je leur mette tout ça sur le dos? Les attentats à Prague, les fractions chez Versalife et Dubaï? Officiellement, des augmentés étaient impliqués dans les 5 attaques. C'est bien clair. Oui, monsieur. Mais envoyez-moi les rapports si vous voulez que je le prouve. Parce que la CDA n'opère pas en Amérique du Nord. Appelez Hong Kong Alpha 1-0, message prioritaire. On a un problème. Miller veut voir un rapport sur l'effraction. Quelle effraction? Celle qui est censée frapper votre labo de San Francisco d'un jour à l'autre. Quoi? Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? C'est pas grave. Je vais m'en occuper. Je pourrais même en profiter pour nettoyer un autre incident. Que vous a dit notre homme à la CDA? Très peu. Il ne peut pas nous contacter quand il veut. Rucker pourrait le soupçonner. Alors il est temps pour lui d'utiliser l'orchidée. Dites-lui. Tuer Rucker. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Enfin, je veux dire, ça nous facilitera la vie pendant la phase 2, mais... Vous doutez de mes choix, Joseph? Je me demande simplement si le reste du conseil appréciera. Ils ont l'air moins unis depuis peu. La mort de Rucker en troublera peut-être certains. Mais à ce stade, nous ne devons plus faire attention qu'à Brown. Rucker disparu, je suis certain qu'il se décidera à agir. Tuez-le! Ah d'accord. D'accord. Alex, t'as tout vu? Oh que oui. C'est exactement la preuve qu'on cherchait, Adam. C'est du lourd. Faut que Janus entende ça. Cette fois, c'est moi qui lui parle. Arrange ça et tiens-moi au courant. Faudra trouver un endroit sûr. Quitte la Task Force dès que tu peux et je te recontacte pour te dire où. Adam, qu'est-ce que vous faites ici? Je dois discuter de mon enquête avec le directeur. Je me disais qu'il était peut-être en pleine session de SRN. Et vous? Pareil. Enfin, j'allais lui laisser un message à propos de Vince Black, le responsable de la division du crime organisé.
Je m'inquiète et j'espérais que le directeur aurait des nouvelles. Black est toujours en mission d'infiltration chez les Dévaliers. C'est bien ça? Le genre d'infiltration dont on peut avoir du mal à s'extirper, oui. Il est censé me voir une fois par semaine pour que je l'aide à garder la tête hors de l'eau, mais il n'est même pas venu à notre premier rendez-vous. D'après ce que je sais, l'influence des Dévaliers ne se limite pas à la République tchèque. Il a peut-être quitté la ville. Peut-être. Désolé, docteur, j'ai un emploi du temps assez chargé avec tout ce qui se passe en ce moment. Aucun problème, je comprends. Bon, Adam, Lyon attend que j'envoie mes premiers comptes rendus et ça m'étonnerait que le directeur soit content de nous trouver à papoter dans son bureau. Vous avez dit que Lyon attendait vos premiers comptes rendus. Ça veut dire que vous ne travaillez pas pour Mila. Je suis une employée civile, spécialisée dans le suivi des agents en infiltration. J'ai d'abord travaillé chez Amplib, j'ai aidé les patients à supporter la pression émotionnelle des augmentations. Donc vous travaillez directement pour Joseph Manderley? Bon, eh bien, comme vous l'avez dit, on ferait mieux de ne pas traîner ici. Absolument. Vous savez que ma porte est toujours ouverte. Chante, c'est X. Nous sommes frères dans des bois lumineux. Ils seraient choqués, pas les prévenus, mais pas les. Ils ont peut-être fait sauter la gare pour ça. Ah, j'ai deux points de compétence. Alors. Je peux aller en V4. Contrôle des tourelles. Là, je peux pirater les tourelles. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Ah voilà, je peux casser les murs, c'est bien ça. C'est ça que je voulais en plus. Je suis furtif, c'est nickel ça. Ouais, c'est les... ça dépend des compétences que tu mets en fait. J'ai mis le truc pour les attraper à travers le mur là, normalement. Ah, on peut avoir plus de place, ah ouais, d'accord. Je peux avoir plus de place dans l'inventaire. Il me faut un point proxy. Ok, je peux porter plus. Je peux faire 110 kilos là, un point proxy. Mais non. Là, je peux rien construire, ah si.
Možná je čas z Prahy rychle vypadnout. Ah, je sais pas comment aller ici, ça m'énerve. Sérieux? Oh là là. Non, oh, c'est niveau 4. Bah, va. Voilà. Trop lourd. Allez, vas-y. Radiquet à Glamel. Je sais pas si ça va tenir. Ah, ça tient. Zarif, j'ai trouvé Orlov. Il est mort. C'est vrai que techniquement, je ne l'ai jamais rencontré. Mais j'ai connu un médecin qui lui ressemblait étrangement en Alaska, dans le centre de soins dont je vous ai parlé. À l'époque, il se faisait appeler McFadden. Bonsoir, Adam. Qu'est-ce qui vous est arrivé là-bas exactement ? Aucune idée. N'oubliez pas que j'étais dans le coma. Tout était géré par l'OMS. Centre numéro 451. Vous pouvez vous renseigner. Bien sûr. Je vais fouiller son corps et l'appartement. Je trouverai peut-être quelque chose. Eh, hey, j'ai trouvé, putain. J'ai réussi. Je savais pas que ça marchait de mettre des poubelles comme ça. Une par-dessus l'autre. Eh, hey, deux ordi là. Allez, dégage. C'est qui elle? Ah. Voilà, c'est moi ou ça déconne là? Oula, c'est quoi ce bug? J'ai une mère qui est hyper forte là. C'est mes yeux, je sais pas. Attends. Ouais, c'est le jeu qui c'est l'écran qui nique les yeux là. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès refusé. Ah, ta grand-mère. Salut Arnaud, ça va? Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès refusé. Ah! Merci du follow Arnaud. Alors. Ah, il y a un truc là aussi. Niveau 5. Ah merde. J'arrive pas à pirater l'ordi là. Y'a pas un code là qui donne ici là?
Y'a pas un code là-dedans, ok. Bon, on va fouiller là. Ah, y'a un coffre derrière. Ouais, il fait chaud. Je suis en train de crever. Alors, là, tac. 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 Programme de survie lancé. Accès refusé. Ah, mais pourquoi que c'est refusé? Je comprends pas là. Attends, faut que je réessaye. J'abandonne pas. On va aérer un peu. Là, il fait froid. Il fait chaud, je veux dire. Je vais aérer un peu la maison. Mais il peut pas avoir froid, c'est un robot, je suis con. Pas avoir chaud, je suis con. J'ai même plus parlé. Oui, mais ça j'ai déjà fait. Toi, on va te lancer dans la douche pour que tu te laves. On peut pas. Merde. Je voulais jeter dans la douche pour voir si ça marche. C'est nul. Fortification. Tac. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès refusé. Eh putain. Ah, je vais m'énerver. Ça va m'énerver, ça, je le sens. Putain, j'arrive pas à pirater. J'arrive pas. Putain. Ah, ça m'énerve, j'arrive pas à pirater. Ça se trouve, il doit y avoir un truc de ouf dans le coffre. C'était où déjà pour améliorer les compétences là? Voilà. Pour avoir plus de trucs quoi. Dès que j'ai un proxy, faut que j'active ça. Comme ça, j'ai plus de place dans l'inventaire. Ah, je connais pas le code. Ah, je sais pas c'est quoi le code. Oui, j'ai trouvé un code. J'ai déjà fouillé l'ordi. C'est l'autre que j'arrive pas à pirater, ça m'énerve. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès refusé. Merci du host, Ardo. Putain, ça bug. J'arrive pas à le pirater, l'ordi ça m'énerve. Ah, je peux pas, j'ai plus de compétences là, j'ai utilisé pour Ouais, je suis à nouveau. Ouais, il me faut un point praxi. Non, mais je peux le pirater, c'est juste que ça va être plus long à faire. C'est moi qui fais de la merde là en fait. Voilà, c'était simple. C'était hyper simple. Y'a pas le code? Ah! Non, il est trop long comme code. Merde. Ouais, faut être niveau 5, fait chier. On va le pirater. Merde. Ah, je suis vénère. Je sais même pas ce qu'il y a dedans en plus. Faut que j'essaye d'y retourner, mais je sais pas comment. Si, j'y retournerai plus tard. Je sais comment on y va. Oh putain, ah le con. Le gros con.
rentrez chez vous, allez, on s'en occupe. Je peux plus supporter. Le sniper il sert à rien. J'aimerais bien trouver un magasin là pour acheter des trucs. Oh le con, je me casse, je vais me faire arrêter. Ah le con. En veux une autre? L'heure de l'horloger va bientôt traîner. Pas mal. Franchement, bon, leur marché de l'Europosine a quasiment du temps. Je monte. Comment je monte en haut là? Faut que je monte en haut. J'aurais du mal à monter en bas. Mais c'est un marrant ce truc. Je monte comment en haut? Ah! Ça m'aide pas. Hein. Ça m'aide pas du tout. Putain, je crois que ça va être galère pour y aller ici. Il y a un coffre. Je peux pas l'ouvrir. Oh. Allez, pétez la porte.
pas ce qu'il y a à trouver ici. C'est chiant. Ah 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 ah. J'ai pas pensé à ça, tu vois. Je suis enfermé. Je porterai avec fierté. Merde, c'est du poison. Vite, vite, vite. Ah, trop tard. Ah, trop tard. Ah. Pas assez rapide. Merde. Merde. Tant que j'enlève tous les colis, je vais crever. Putain. Fais chier, je vais crever. Ouais, je peux pas tout améliorer, c'est... Je peux pas savoir ce qu'il faut améliorer. Tu es quelqu'un de bien. Et un putain d'artiste. Qu'est-ce que je t'avais dit? Fais gaffe. Casse-toi la boîte. Mais casse-toi la boîte. Voilà, dégage. Oh là là. Pas. Attends. Smiley, Stanek n'était pas chez lui. Mais j'ai trouvé ce qui ressemble à du matériel pour fabriquer des bombes. Et un piège des dévalis. Tu déconnes ? J'ai aussi appris où je pourrais le trouver. Il est dans un bar du quartier rouge. Juste en face du Red Queen. J'y vais tout de suite. On a des agents dans le coin qui surveillent les dévalis. Je vais les envoyer. Bien sûr. Ah non, faut aller là.
Bez urážky, ale já už mám dneska fakt. Je comprends rien ce que tu dis. Venez en profiter. Nejsem levná. Ce soir, en Red Queen, les plus belles femmes, les hommes les plus séduisants, tous réunis dans le quartier. Nous y voilà enfin. Oui, ça s'appelle des prostituées. Voilà. On peut pas rentrer, merde. Allez, je la tue. Tu te joindras à moi, chérie. Ce que je veux, c'est forcément. Ils ont des gueules, les meufs. Ils ont des gueules. Ça, je le sais. Et moi, je sais que vous allez rester là bien sagement, comme un horloger discipliné. Je m'en occupe, agent Riley. Profitez-en pour faire une pause avec votre équipier. Attendez, je vous connais. Vous êtes venu dans ma boutique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des questions à vous poser, monsieur Stanek. On a des preuves qui vous lient vous et votre boutique à l'attentat de la gare. L'attentat? Non, j'aurais jamais... Je saurais même pas par où commencer. Vous vous trompez. Ah ouais? Convainquez-moi. J'ai un minuteur qui porte votre nom et j'ai trouvé les outils nécessaires pour fabriquer d'autres bombes chez vous. Quelle conclusion je devrais en tirer? Alors... Non, je m'en mets sous titre. Si vous avez vu ma boutique, vous savez que je répare des montres. Je ne fabrique pas de bombes. Non, ces outils ne m'appartiennent pas. Ils sont à... Votre fille? Non, pas ma fille. Allez-y, arrêtez-moi. C'est moi que vous cherchez, pas elle. Oui, j'ai fabriqué des bombes pour eux. Ça m'étonnerait. Je comprends que vous vouliez protéger votre fille, monsieur Stanek. Mais c'est pas en mentant que vous allez l'aider. Vous devez me dire ce que vous savez. Oui. Vous avez raison. Allison était dans l'armée. Elle a toujours voulu faire partie d'une grande cause. Avoir un but... Au-delà de ses propres intérêts. C'était une si belle enfant. Si douée. Et ensuite? Après l'incident, elle a rencontré des gens. Ils disaient être ses amis, mais j'ai tout de suite vu qu'ils voulaient seulement se servir d'elle. Des parasites! Et maintenant, ils l'ont prise. Du calme. Comment ça, ils l'ont prise? Allison devait me retrouver ici ce soir. Mais un de ses hommes est venu à sa place. Et il m'a remis un message de sa part, crachant des insultes sur les corpos et les organiques. Allison, elle me disait au revoir. Mais elle n'aurait jamais. Ils se sont servis d'elle. Votre fille a les connaissances nécessaires pour ça? Ah oui. Bien plus que moi. Elle était dans l'armée. Elle faisait partie d'une équipe de neutralisation des explosifs et munitions. Le déminage? Oui. Elle se plaisait beaucoup dans l'armée. C'est là que ses nouveaux amis l'ont trouvée. Ils l'ont exploitée, oui. Et maintenant, ils veulent se débarrasser d'elle. Votre appartement a été piégé par Radic Nikoladze. Quoi? Mais pourquoi est-ce qu'il... Je suppose que l'amitié ne vaut rien pour un voyou. Comment ça? J'ai jamais été bien riche, mais... Ma boutique est connue, respectée. Radic aimait mes montres. Il savait que j'avais besoin d'argent, parce qu'il était arrivé à Allison, alors... On a conclu un marché. Mais les marchés, c'est comme les jolies femmes pour cet homme. Il finit toujours par trouver mieux ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces amis? Si ce n'est qu'ils sont augmentés, pas grand-chose. Ils ne parlaient qu'à Allison, quand il venait à la boutique. Si un humain normal n'était pas digne d'eux. J'entendais souvent le mot « ascension ». Vous allez savoir ce que c'est. Où puis-je trouver Allison, monsieur Stanek? Si je le savais, j'irais la sauver moi-même de ces sales profiteurs. On la trouvera. En attendant, accompagnez ces agents. Ils ont des questions à vous poser.
S'il vous plaît, laissez-nous faire notre boulot. Trouvez ma fille, ou je m'en chargerai. Smiley, j'ai parlé à Stanek, c'est pas notre homme. Et t'as une autre piste ? Stanek dit qu'il sait pas où elle est, mais je crois qu'il me cache quelque chose. Les agents vont le ramener. Tant qu'il parlera pas, l'enquête sera au point mort. Je vais m'assurer qu'on s'en occupe et qu'on apprend tout ce qu'il sait. Ok, bien sûr. Adam, Janus a écouté la conversation enregistrée sur le SRN. Il accepte de te rencontrer. Ok. Où ça ? Il y a un office du tourisme abandonné sur la place centrale. Assure-toi de pas être suivi. Et j'ai aussi du nouveau sur Marchenko pour toi. Tout est sur un carnet électronique près du point de rendez-vous. Cherche une poubelle sous une marque à la craie. Elle est à côté du métro. Compris. Vous en avez dans le pantalon, vous. Je veux bien le reconnaître. Je croyais que le quartier rouge était plus accueillant avec les augmentés. Non, non. C'est pas ce que je veux dire. Votre argent vaut bien celui d'un autre, mais... Disons qu'on reçoit pas beaucoup d'augmentés ces derniers temps. Vous avez peur que ma présence gâche le plaisir des autres clients? Au Red Queen? Vous risquez plutôt de vous faire accoster. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Tous ces problèmes en ce moment, ça doit vous causer du tort. Vous rigolez? On vend du sexe et de l'alcool. Quand les temps sont durs, la demande augmente toujours. Les gens ont envie de se changer les idées, vous savez, de réaliser leurs fantasmes, de s'amuser. Ce n'est pas l'éventualité d'un autre attentat qui suffira à les convaincre. Ça, ce collier, sérieux, ça lui va pas. Oh bah, on n'a plus à 5. Comment ça ? Rucker, le leader de la CDA, apparemment les flics ont réussi à le débusquer. Non, rien. Il y a toujours autant de monde dans ce quartier ? Seulement le soir, tout est fermé pendant la journée. Ça permet au reste de la vieille ville de profiter des crédits des touristes à son tour. Un autre genre de pigeons. On peut dire ça, ils sont du genre moins aventureux. Les amateurs de musées qui envahissent les boutiques de souvenirs et qui se séparent jamais de leur appareil photo, mais aucun mal à ça, hein. Ouais, je connais ça. Ça nous manque seulement une fois qu'on est partout. Le Queen est plutôt tolérant comme établissement. J'en connais beaucoup dans cette ville où j'aurais même pas pu passer la porte. C'est comme ça presque partout dans le quartier. C'est bon pour les affaires. Ça. En fait, ça ira pour l'instant. Si vous changez d'avis, je ne bouge pas. Salut, Bogus. Vous allez soir ? Ce truc que je voulais me faire. Est-ce qu'il y a des chips ? Elle parle russe, je comprends rien. Ils ont pas de, plus de ragots. Dégage. T'as rien à faire ici. Demi-tour le câblé. Les trouillards ont pas le droit d'entrer ici. Ah, j'ai un peu de compétences. J'ai amélioré niveau 4 le piratage. Livraison secrète, on va y aller. Excusez-moi, j'espère. Je suis le top. Eh ben. Fais ce que tu veux, mon chou. Quand t'as assez de crédit. Hé, hey, le cyborg, on est par ici, en pleine nuit. Ce serait bien qu'on trouve une autre. Génial. Thank you.
Vous feriez mieux de partir avant l'aube. Quelques crédits pour supporter le froid. Et où mon colis? Ah, je le vois. Là. Oh, il est mon colis. Par là ? Je trouve pas. On dirait qu'il y a plus de policiers. Ah bon ? Aucune idée, je sais pas. Je rentre que la photo, ça. Personne, n'est-ce pas ? Dans une poubelle. Ah, ça me donne l'XP, bah faut que j'en trouve d'autres alors. Ça me donne de l'XP. J'ai l'impression que tout le monde est parano. Je fais tous les autres centres d'intérêt aussi là, avant de faire les missions principales. Je vais juste récupérer des balles.
conditions normales. J'aime les silencieux pour le bruit, mais d'un autre côté, ils réduisent le pouvoir d'arrêt et les dégâts de tes armes. T'as vu un peu combien de munitions il t'a fallu en plus ? Retour à la normale. Mais si tu dois être discret, le silencieux reste le meilleur choix. Rappelle-toi juste que tu feras moins de dégâts. Tu sais, il existe d'autres types d'accessoires que tu pourras monter sur ton arme. Ouvre l'œil pour les trouver. Ah, c'est bon, ça me saoule. Elle me donne des munitions en plus.
C'est cool ça. Ah ouais, il m'en donne pas. Pff, les rats. Parce que moi, j'ai juste envoyé ça, moi j'ai pas beaucoup de balles. Hein. C'est pas vrai. J'ai tout fait ou pas? Station moderne, c'est fait. Ah, j'ai tout fait là. Programme de suivi long. Accès refusé. Merde. C'est pas là qu'il faut aller. Si. Je comprends pas si c'est pour là qu'il faut aller ou pas. Anomalie détectée. Programme de suivi accès refusé. Oh là, je vais péter un câble avec ce piratage. Laisse tomber, on pirate pas. On va faire le tour. C'est même pas là qu'il faut aller en plus. Merde. Ah si, c'est là. Je comprends pas. Moi pas comprendre. Ah merde, j'arrive pas. J'arrive pas à pirater. Anomalie détectée. Programme de suivi accès refusé. J'arrive pas, je comprends rien. Comment on pirate? Je comprends que dalle. Quand le pirater, je.
Suiville, accès refusé. Et je vais péter un câble avec les piratages, moi. Ah, je peux pas péter la porte. Ce serait pas mal qu'on peut péter la porte. Ah, je l'aurais pété la porte. Je l'aurais fait. Putain. Anomalie détectée. Programme de suivi. Accès refusé. Oh le le, j'ai pété un câble. Oh putain. Avec ces piratages, j'ai pété un câble, moi. Si quelqu'un connaît le code, ça sera la bienvenue. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès permis. Ah voilà, j'avais le stop, j'avais pas vu. On va aller voir Janus, tête d'anus. Allez. C'est parti. Et où Janus? C'est votre vision d'une rencontre en face à face. Autant vous le dire, je suis pas impressionné. Vous ne pensiez pas que j'allais sauter dans un avion pour Prague, non? Non, je le pensais pas. La conversation qu'on a enregistrée, vous savez à qui parlait Manderly? Robert Page, PDG de Page Industries et propriétaire de la société VersaLife. C'est un multimilliardaire. Ça nous empêche pas de les arrêter pour complicité d'assassinat. On a entendu Page donner l'ordre de tuer Rucker. Oui, dans une conversation enregistrée et obtenue illégalement. C'est irrecevable, monsieur Jensen. Ça ne tiendra pas devant le tribunal. Ok, alors trouvons un autre moyen. Et cette histoire d'orchidée, vous savez de quoi il s'agit? Je vais fouiller de mon côté, mais vous pourriez peut-être faire quelque chose pour nous à Prague. VersaLife possède un compte à la banque Palisade. Si vous parvenez à accéder à leur coffre de données, on y trouvera peut-être quelques-unes des réponses qu'il nous faut. Vous voulez que je m'infiltre dans la banque? La CDA est manipulée. On veut lui faire porter le chapeau. Manipulée par un autre. Ok. Et ce Brown? Page a parlé de lui et d'une sorte de conseil. Nathaniel Brown, chanter, excusez-moi. Le directeur du groupe Santo. C'est possible. Nathaniel Brown pourrait gagner des milliards si jamais le... Adam, le site n'est plus sécurisé. Hein? Mais personne ne me suivait. Quelqu'un de chez PRE a peut-être détecté le piratage du réseau électrique. J'en sais rien. Faut pas que tu restes là. What? 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 Je comprends pas là. C'est quoi ce délire là? C'est Janus qui m'a tendu un piège. Putain. Sans lui mettre son nom, ça me faisait pas confiance. Moi, Janus. Franchement, ça pue le cul, ça. Excusez-moi de la blague de merde.
Janus a pu le cul, voilà. On va pas aller plus loin avec cette blague de merde. Comment je peux me casser d'ici? En plus, il y a des robots là, casse-couilles là, je vais les désactiver, ça va être réglé. Viens, faut pas que tu restes là! Je vais te désactiver. Oh merde! Je vais faire comment? Il y a plein de robots! Pff, oh là là, ça va être casse-cou! Je le sens, ça va être relou là. Ça va être casse-couilles, putain. Je le sens que ça va être trop lourd. Putain. Peut-être détecter le piratage du réseau électrique. J'en sais rien. Faut pas que tu restes là. Oh là 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 là! Sérieusement! Ah, je vais, avec cette mission, je vais péter un câble. C'est le cas de le lire. Et tous les robots qu'il y a, tu veux faire comment? Ça devient relou là. Il se barre pas à un certain moment, je sais pas. Faut pas que tu restes là. Ils arrêtent la recherche à un certain moment ou pas? Il y en a trois.
J'attends qu'ils finissent la recherche. Sinon, je peux pas avancer, moi. Chez vous là. Ne retourne pas chez eux. Putain. Des soins vite. N'importe quoi ce jeu. Oh putain, je vais péter un câble avec ça. Je vais péter un câble sérieusement. Comment ils me repèrent les robots? Comment ils m'ont repéré? Comment? Oh, je crois qu'on va arrêter là. C'est pas la peine. Les destroy en plus, putain. Et là je saute, je crève, je comprends pas. Je peux pas descendre sans mourir. Il faut que je les désactive tous un par un, mais ça va te casse-couille. Dès que j'arrive en bas, je désactive l'autre qui me casse les couilles derrière. Et les autres derrière me suivent alors. Ah, j'ai réussi. Ah, c'était chaud. J'avais pas vu qu'on pouvait passer par là. Putain, j'ai regardé depuis tout à l'heure alors que j'avais plus simple. Ah, comme ça j'ai plus de place dans l'inventaire. Ah, c'est bien ça, nickel.
pour faire de la place parce que là, voilà. Ah là, j'aurais de la place pour mettre une arme. Ah, j'ai de la place pour mettre un sniper ici là. Faut juste que je mette ça voilà plus bas. Tac, j'ai de la place pour mettre une arme ici. Voilà. Ça, si je trouve une arme, je vais la mettre dedans. Monsieur Jensen, c'est Nomad Stanek. Je vous en prie, vous devez m'aider. Monsieur Stanek, comment vous... C'est ma fille. Ils vont la tuer. J'ai échappé à vos amis, et quand... Quand je suis arrivé ici... Où? Le quartier de Prikashka. Un immeuble derrière la laverie automatique. Pitié, faites vite. J'arrive, j'arrive. J'ai pas entendu parler de quoi. Les bâtiments de Krishka. S'il vous plaît. Voilà, amusez-vous. Gros connard. Identification BH847. Je vois. Merci. Je parie que vous vous croyez spécial, hein. Merci Arnaud. Foutez-moi le camp d'ici. Bonne journée à toi aussi. Faut pas que j'y aille. Adam, tout va bien? Ces drones... Ça va, je sais pas d'où ils venaient, mais c'est raté. Dieu merci. Écoute, Janus vient d'appeler. VersaLife veut fermer son compte et transférer tout le contenu de son coffre dès ce soir. On n'a plus le temps, faut que tu y ailles tout de suite. Je peux pas, j'ai trouvé celle qui a fait les bombes. Elle peut tout nous dire, mais elle est sur le point de se faire tuer. Hein? Merde, ils se débarrassent des témoins. Je peux pas entrer dans une banque, pas toute seule. Et si on n'y va pas tout de suite, on perd leur quitté, merde! Mais si je vais pas dans le quartier de Prikashka, la fille va mourir. Et on se retrouvera au point de départ. À toi de choisir. Bon, dites-moi, Addison ou banque? Tu crois que la présence de Tarvo se dérange la police? Les vigiles de la banque? Mais ça peut être un piège aussi. Ouais. C'est un problème. Pas simplement des vigiles. Parce que la banque, ça peut être un problème, un piège, et la Allison, je sais, ça doit être un piège aussi, alors... Et je peux savoir qui est, quelle substance a tué Racker. Ah, je sais pas. Allison ou banque? Allison ou banque? Je sais pas. Dites-moi, vous mettrez quoi, vous? Banque ou Allison? Ah, je sais pas. Je choisirais quoi toi Shazam? Banque ou Allison? Oh, allez, on va faire Allison.
Alors quand je le referai, le jeu changerai le... je ferai la différence. Le... autrement, je veux dire. Qu'est-ce que vous cachez dans vos bras, le cyborg? Ces papiers devraient faire l'affaire. Gardez les mains bien en évidence. 847? Merde. Putain, mais vous êtes quoi? Une espèce de super soldat? Je suis pressé, surtout. Oui, c'est bien normal. Allez-y, tout est en ordre. Tous les endroits se ressemblent ici, c'est abusé. Écoutez, madame. Le papier indique clairement, juste là, que vous ne pouvez pas sortir du quartier de Prekaska. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser. Vous voilà enfin. Vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là qu'ils retiennent ma fille. Un piège. Après avoir échappé à vos agents, j'ai suivi un de ces fanatiques. Et il m'a conduit jusqu'ici. Je crois pas. Où elle est? Il a dit qu'il était dans l'un des étages, mais personne n'a le droit d'y monter. Ces malades sont armés. Ils sont prêts à tuer tous ceux qui essaieraient d'entrer. Je le crois pas, moi. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Du calme, monsieur Stanek. Restez ici. Je m'occupe de... Deux, trois, quatre. Putain, ils sont quatre. Mais je m'en fous du pistolet mitrailleur, j'aime pas cette arme. J'ai une famille. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un blessé. Bien, tu vas pas à la banque, c'est ça? Je t'ai dit que celle qui a fait les bombes. Pourra tout nous dire, je sais. Mais on parle d'une arme biologique, Adam. Une fois que ce coffre sera vide, on pourra faire une croix sur les infos qu'il contenait sur l'orchidée. À jamais! Ouais, je comprends. Le temps joue contre nous, Adam. J'espère que tu changeras d'avis. Je te frotte. Je suis avec. On va les buter, allez. Faut la jouer
ils sont combien là? Je monte. Je ne vois rien. Anomalie détectée. Programme de survie lancé. J'espère que tu vas trouver cette fille, Adam. Parce que je viens juste de voir un convoi de fourgons blindés quitter la banque. J'ai eu un souci. Je m'y rendais que possible. Ouais. On vient de rater une occasion en or d'en savoir plus sur l'orchidée. Ah oui, mais... Voilà, je suis tombé. C'était un piège. Comment je remonte là-haut? J'étais en haut déjà, je comprends pas. Ouais, j'étais déjà en haut, faut remonter encore. Programme de suivi lancé. Accès refusé.
Permis. Ah, voilà. C'était un piège, j'avais raison. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit qu'il ne fallait pas nous déranger. Oh. Entrez. Entrez que je puisse vous voir. Comment vous êtes entré? Qu'est-ce qui vous a fait venir ici ce soir? Comme par hasard, juste au moment où nous répondons enfin à l'appel de la sagesse infinie du dieu mécanique. Allons, votre arrivée ici ne peut pas être une coïncidence. Je cherche Allison Stamek. Évidemment. Et vous l'avez trouvée à l'aube de sa plus grande réussite. Mais vous cherchez conseil? De l'aide dans vos prières et vos méditations? Où êtes-vous là pour nous rejoindre? Pour vous libérer de votre prison de chair et vous offrir à la gloire de la singularité? Si je peux vous être utile pour quoi que ce soit en tant que grande prêtresse, je m'en ferai un plaisir. J'ai des questions sur les bombes que vous avez fabriquées pour l'attentat de la gare. C'est tout? Victor, mon frère augmenté, est un homme courageux et un grand leader. Quand il m'a demandé de lui fabriquer mes petites, j'ai accepté avec fierté. Je connais Victor. S'il a organisé ces attentats, j'aimerais lui parler. Ah, après que nos oppresseurs corrompus ont envoyé l'un de leurs chiens tuer Talos Rucker, Victor a transféré sa base d'opération à un centre de recherche des Alpes Suisses. Le Marg, il me semble. Le Marg? Ok, noté. C'est ça que vous vouliez? Vous êtes venu dans ce lieu saint pour demander mon aide contre la révolution sacrée de Victor? Traître! Blasphémateur! Je croyais que vous étiez l'un des nôtres. C'est le cas. J'inclus juste plus de monde parmi les nôtres. Alors vous êtes devenu leur esclave volontaire? Mais pas moi. J'ai subi plus d'une fois les violences de la police, son mépris et ses moqueries. J'aurais pu m'allonger, me laisser faire comme vous, mais j'ai persévéré. Et maintenant, le dieu mécanique m'a donné ma récompense. Je suis ressorti de ces épreuves, l'esprit éclairé. Votre père m'a dit que vous étiez dans l'armée, que vous défendiez les innocents. Mais maintenant, vous aidez des meurtriers. Ouvrez les yeux. Vous valez tellement mieux que ce qu'ils ont fait de vous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me dire ce que je devrais être ou non? C'est pas à vous d'en décider. J'ai déjà beaucoup trop perdu, comme tous les augmentés. Ce n'est que quand la gorge du dernier des corrompus aura été tranchée et que leur sang souillé inondera les égouts du monde qu'ils auront vraiment eu le sort qu'ils méritent. Votre père n'est pas augmenté, et il ne mérite pas de mourir. Il vous a toujours soutenu du mieux qu'il pouvait. Et il y avait des gens comme lui à la gare Rusica, des gens bien qui auraient pu aider notre cause. Mais vos bombes les ont tués. Vous avez raison. Je ne pense pas que tous les non-augmentés méritent la mort. Il est regrettable que la Révolution doive emporter quelques innocents de plus sur son passage. De plus? Quoi, il y aura d'autres attentats? Bien sûr! Vous ne pensez tout de même pas que je lui ai fabriqué que trois de mes petites? Il en a assez pour détruire toute la ville. Mais bientôt, ces histoires triviales auront fini de me concerner. Hé, hey, j'ai pas fini. Allison? Elle est malade, elle. La conscience est reine. Allison, non. Je sais ce que vous faites. J'ai déjà vu cette technologie.
Ça s'est mal fini. Vous pensez que la mort nous fait peur? Seul notre corps mourra. Notre esprit s'échappera de son enveloppe corporelle et fusionnera avec la conscience divine du dieu mécanique. Voilà ce qu'est l'ascension. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est bien triste. Je me préoccupe plus d'empêcher un autre attentat. Quelle est la prochaine cible de Victor? Je l'ignore et je m'en moque. Une toute nouvelle existence me tend les bras. Quand le dieu mécanique et moi ne ferons plus qu'un, les fardeaux artificiels de ce monde matériel ne me concerneront plus. Vous ne devriez pas vous en moquer. Il y a des milliers, peut-être même des millions d'augmentés dans ce monde qui luttent pour atteindre l'illumination. Mais à cause de Victor, il meurt avant d'avoir une chance d'y parvenir. C'est plus qu'un souci insignifiant. Vous avez raison, c'est très grave. Mais seul le destin peut décider d'une chose aussi importante. Non. Oh, mon frère, il y a tant de choses que vous ne voyez toujours pas. La vie dans ce monde se résume à lutter, souffrir et mourir. Cette existence n'a aucun sens. Ouvrez les yeux et vous verrez la vérité cachée par ces horreurs. L'ascension est la seule chose qui peut nous libérer. Ce n'est pas la seule chose. Vous avez toujours pu compter sur le soutien de votre père envers et contre tout. Si vous le vouliez, vous pourriez partir immédiatement et retourner vivre avec lui. Il prendrait soin de vous, et il vous montrerait que cette vie mérite aussi d'être vécue. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? C'est un homme au grand cœur. Mais je refuse d'alourdir son fardeau, en l'obligeant à endosser mes problèmes, en plus des siens. Adieu, frère ignorant, bercé d'illusions. J'espère que je vous reverrai un jour, quand vous aurez atteint l'illumination. Mais j'en doute! Non, Vanessa, non! Elle est complètement tarée, la meuf. Ouais, t'es morte, espèce de conne. C'est Jensen. Smiley, préviens la police. On a besoin d'un légiste et d'une équipe de nettoyage dans le quartier de Prekashka. Merde, Jensen, c'est à propos de la terroriste? Nomad Stanek a échappé à ses gardes. Je sais. Sa fille était cinglée. Une terroriste qui se prenait pour une grande prêtresse. Où est Miller? Il est en route pour Prague, là. Tu veux que je le prévienne? Dis-lui juste que c'est plus sérieux qu'on croyait. Et que je le retrouverai chez Chicken. Jensen terminé. Jensen! T'as toujours ce calibreur sous la main? Parce que, si c'est le cas... Je crois que je suis prêt à optimiser ton système de malade. J'ai tout ce qu'il faut pour t'arranger ça, et pour de vrai cette fois. Comme tu l'as arrangé la dernière fois. Non, non, non. Cette fois-ci, c'est différent. Je te le jure sur ma tête. Amène-toi au labo, tu verras. C'est une tarée, la meuf s'est tuée. De crever, ça serait pas mal. Là, je saute, je meurs pas normalement. Ah. Je perds de la vie. Ah merde. Sauver Stanek, bah c'est mort. On va aller voir Coller. Où est-elle? Où est Allison? Monsieur Stanek, je suis désolé. Non, non. C'est pas ce que vous croyez. Personne ne l'a forcée, c'est ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait?
quoi devant mon appartement? Quelqu'un s'est fait arracher ses implants et ils l'ont laissé pour mort dans la ruelle. Quand j'ai appris où c'était, j'ai cru... Je vais bien, Aria, c'était pas moi. Sois prudent en rentrant, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Allez voir Connor, c'est pas là? C'est où qu'il faut aller pour aller voir Connor? Je sais pas, il dit d'aller dans les égouts. Rocker est mort. C'est venu à mes oreilles, ouais. Ouais, c'est trop cool. Hein. On va enfin pouvoir faire changer les choses. Il nous faisait passer pour des gros mous. Tu crois pas que tu vas un peu loin? Rocker méritait pas ce qui lui est arrivé. Quelque chose me dit qu'on n'a pas la même vision des choses, Jensen. Moi, je crois que cette histoire de martyr, c'est exactement ce qu'il nous faut. Mais bon, on ferait peut-être mieux de se concentrer sur un sujet qui nous met d'accord, ok? Genre, l'optimisation de ton système de dingue. Alors, tu m'as apporté ce calibreur? Ok. Dis-moi que c'est à ça que ça ressemble, un calibreur de neuroplasticité. C'est bien ça. Ok. Ce sera pas long, promis. Et t'inquiète pas, Jensen. Je fais jamais deux fois la même connerie. Je me suis vachement préparé pour cette opération. C'est juste de rien m'enlever. Ça s'est bien passé, non? Comment tu te sens? Je me sens bien. Plus léger. T'es réparé. Tu peux dire adieu à toutes les limites. Si t'as envie d'activer ah, cool. Temps, tu peux l'activer tranquille, sans la moindre conséquence. Ça m'a l'air parfait. Merci, Coller, je te dois beaucoup. Ouais. Tu peux y aller. Fais-moi honneur. Vas-y, sers-toi de tous ces trucs de malade. Yeah. Nice. Very nice. Fond de proxy aussi. Nice. Wesh. Cette fille. Dites, on fera. Si vous avez vu quelque chose, il faut nous dire. Il n'y a aucun mal.
On ne peut pas le laisser sortir. Il serait pas mieux d'arrêter. Vous savez qui ? Une autre câble est tuée. J'ai reçu les mêmes ordres que Pierre. On ne peut pas le laisser sortir et comme ça. Rendez-moi service. Bougez-vous. Faites-moi semblant de chercher des preuves. Vous pensez que c'est pas lui ? On ne peut pas le laisser sortir. Les ordres sont les ordres. Oui, je pense qu'il l'a fait. Pas dur de deviner ce qui s'est passé ici. Les journalistes ? Non. Les tabloïds écrivent ça pour moi. Non, c'est pas lui. On ne peut pas le laisser sortir comme ça. Oui, les journaux sous mes vêtements. Encore une raison. Donc, il y a un problème. Pas vrai, bon sang, j'ai un permis. C'est pas comme s'il me voyait pas. Bonsoir, monsieur. Je suis désolée. La police m'oblige à circuler. Ça m'arrive souvent aussi. Vous travaillez pour le groupe Santo ? Ah oui, oui, je suis représentante commerciale. Félix Ullman. Monsieur, vous avez certainement dû entendre parler de Rabia. Ça ne vous dirait pas d'entamer une nouvelle vie là-bas ? Dans une ville où votre choix de devenir augmenté serait respecté ? J'en dis que je ressorte. Oui, je sais. Et Santo s'est lavé les mains de cet endroit. Non, absolument pas. Je suis étonné de voir un PDG d'entreprise soutenir les augmentés comme le fait Brown. C'est tout de même pratique que votre société soit la seule option pour des milliers d'ouvriers augmentés. Le monde... Et en quoi Rabia est-elle différente ? Avant, on construisait des villes pour les gouvernements et leurs... Ouais, tu parles trop. Si Brown a déjà... vos papiers ! Comme si je n'ai pas une citoyenne. Je vais bientôt stopper là. Non, je vais sauvegarder là et je vais arrêter. Sauvegarder là. On va sauvegarder ici. On va sauvegarder, non. Ah si. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et on se verra. Peut-être je streamerai tout à l'heure dessus, je sais pas, on verra. Toujours un verre demain ? A tout à l'heure. Xbox ancré Twitch.
Attendez.